tutti, sono Christian Massé, l'ambasciatore di Francia in Italia e sono molto lieto di vedervi così numerosi questa sera per dei dialoghi del Farnese assolutamente eccezionali. Abbiamo avuto con Cultivons Notre Jardin tutta una serie di incontri molto interessanti, non soltanto a Roma, ma in tutta l'Italia, perché questa serie Cultivons Notre Jardin è cominciata a Mantova. Ma questa sera è veramente speciale e penso che il numero, e io sento anche l'interesse già nella Sala Grande, perché questo si chiamava la Sala Grande all'inizio, dimostra che tutti abbiamo veramente consapevolezza del carattere eccezionale di questo incontro di questa sera. Abbiamo avuto l'ultima volta o le due ultime volte incontri molto interessanti. Il primo era su l'architettura e la città del futuro e anche la funzione del giardino in questa città del futuro. E dopo abbiamo avuto un incontro su il cambiamento climatico, l'energia e cosa possiamo fare nelle città per controllare le emissioni di gas a effetto sera. Questa sera è diverso perché affrontiamo un tema molto importante che è quello della biodiversità. C'è stato un rapporto che ci ha indicato che negli ultimi 30 anni il 60% della popolazione degli animali selvaggi è sparita sul pianeta e siamo anche che i 9 milioni di specie viventi che sono sulla Terra sono in grande rischio e che in caso di mancata reazione mettiamo a rischio dal 38 al 46% delle specie animali e vegetali da qui al 2050. Ed è proprio questo tema che affronteremo. E abbiamo la fortuna di accogliere tre voci fra le più autorevoli a livello internazionale nel campo della protezione. Primo abbiamo il fisiologo ambientale Gilles Boeuf, che sarà l'ospite del Festival della Scienza di Genova il 2 di novembre. E conosciamo noi molto bene Gilles Boeuf, che ha svolto un ruolo molto importante nella COP 21. E mi ricordo bene, io ero segretario generale del ministero all'epoca e avevamo Laurent Fabius che presiedeva regolarmente queste grandi riunioni con tutti gli attori, c'era Ségolène Royal, c'erano tutti i più grandi professori, eccetera, anche venendo dall'estero, e quindi per sapere come preparare la COP21 e fare della COP21 un successo. E uno di questi attori critici è stato proprio Gilles Boeuf. Abbiamo il neurobiologo Stefano Mancuso, autore di uno dei libri più importanti sull'argomento verde brillante, sensibilità e intelligenza del mondo vegetale. Che Stefano Mancuso non si presenta perché veramente è così noto. E infine abbiamo il paesista Gilles Clément, i cui lavori hanno ampiamente ispirato la nostra stagione di incontri italo-francesi Cultivons Notre Jardin. È stato anche l'ispiratore per Manifesta a Palermo di questa stagione che si chiama Il Giardino Planetario e presenterà proprio il 2 di novembre la creazione di un giardino nel quartiere Zen con lo studio di progettazione Coloco e gli abitanti del quartiere. E devo dire che sono molto emozionato di essere davanti a Gilles Clément perché Gilles Clément ha inventato
un nuovo paesaggio, ha inventato un nuovo modo di fare dei giardini. E io la prima volta che ho visto un giardino di Gilles Clément sono stato veramente stravolto e ho avuto una visione diversa sul giardino, sulla natura, sull'architettura, sull'ambiente. E veramente grazie maître di essere con noi, veramente un grandissimo onore. Quindi tre personalità di altissimo spicco. E per moderare queste tre personalità, quindi ci voleva una persona veramente molto forte e molto esperta, e l'abbiamo trovata nella persona di Marco Frattodi, direttore della Nuova Ecologia, che anche ti ha fatto l'onore e il piacere di accompagnarci durante tutto il ciclo dell'autunno. Quindi una serata veramente molto, molto speciale, e questo ciclo Cultivo Nostro Giardin si chiuderà con il 17 di dicembre, prendendo un po' di altezza, perché riceveremo i due dirigenti delle due agenzie spaziali dei nostri paesi, che sono l'Agenzia Spaziale Italiana e il Centro Nazionale di Studi Spaziali del CNES, quindi i presidenti Battiston e Le Gall, per vedere il pianeta dall'alto e così quindi come possiamo tutelare, grazie allo spazio, il pianeta. Ma prima di vedere questo dall'alto dobbiamo rimanere sulla Terra e vedere come possiamo tutelare questa biodiversità. Grazie a tutti. Buonasera, grazie ambasciatore, buonasera a lei per i saluti introduttivi e grazie anche da parte mia a tutto il pubblico che è convenuto oggi pomeriggio qui in ambasciata. Però che grande messaggio di speranza, è vero ambasciatore, ci dà vedere una sala stracolma di persone quando si parla di ecologia, di ambiente. Permetto solo di precisare un aspetto assai marginale che riguarda la mia biografia. Sono stato felicemente a lungo direttore della Nuova Ecologia, adesso la rivista è tornata nelle mani di un'altra persona, prosegue in maniera, se possibile, anche migliore rispetto a quando l'ho condotta io nell'approfondimento delle tematiche ambientali. Oggi la dirige Enrico Fontana, che conosceranno alcuni anche per il suo impegno sul terreno delle ecomafie. Io continuo la mia attività giornalistica in campo ambientale, nello specifico, ma questo veramente apro e chiudo la parentesi, sono direttore editoriale di una rete di educatori ambientali che si chiama World Environmental Education Congress. Organizziamo congressi sull'educazione ambientale in diverse città del mondo, ma questo non è davvero l'oggetto della serata, vero? Siamo qui per ascoltare Gilles Clément, Gilles Boeuf e Stefano Mancuso, che invito ad accomodarsi insieme a noi sul palco, e visto che siete così tante e tanti e credo così interessati, accompagniamoli con un applauso per ringraziarvi di essere qui con noi. Queste sono le poltrone nostre per la traduzione in italiano, quindi Gilles Clément e Gilles Boeuf su le altre due. Ecco qui. E dunque si accomoda. Benissimo, allora adesso prendo anche io posto sulla mia poltroncina e mi piace rivolgere una domanda innanzitutto a voi per così avviare questa conversazione. Vi chiedo quanti di voi possiedono in casa un animale domestico, un gatto, un cane, un canarino, non lo so, per alzare di mano. Coraggio, quanti hanno degli animali domestici in casa? Abbastanza. E sapete quanti sono gli animali domestici nelle case degli europei? 200 milioni. E quanti di voi hanno delle piante sull'avanzale o sul balcone? Ci curiamo delle piante ogni giorno? Anche di più, anche di più, è vero. Va bene, però quanti di voi sono a conoscenza del fatto che fino agli anni 80 all'incirca su 10 stambecchi che venivano al mondo nel Parco del Gran Paradiso, che è uno dei territori naturalistici che unisce proprio i nostri due paesi, l'Italia e la Francia,
Ne sopravviveva all'incirca la metà per ragioni naturali, come dire, la legge della natura che impone che fra i piccoli delle specie selvatiche alcuni sopravvivano ed altri no. Ecco, fino all'incirca agli anni Ottanta ne sopravviveva la metà. Oggi, a causa del cambiamento climatico, invece, la percentuale di sopravvivenza si è ridotta soltanto a un quarto. Lo sapevate? Sapete che il 42% dei mammiferi autoctoni in Europa è a rischio di estinzione? Eravate a conoscenza di questa percentuale? O del fatto che la stessa percentuale di specie a rischio di estinzione è del 15% per ciò che riguarda gli uccelli, il 30% degli anfibi? Sono grandezze importanti e riguardano la nostra parte del mondo, non zone remote. Riguardano la nostra, il nostro contesto di vita. Prima di ascoltare su questi temi appunto i nostri esperti, vorrei solo fare un'ultima verifica. Qualche settimana fa, quindi non bisogna riandare troppo indietro nel tempo, sono fatti di cronaca che sono emersi anche sugli organi di informazione, è stato presentato il più recente rapporto dell'IPCC sul clima, dal quale è emerso che se la temperatura globale da qui alla fine del nostro secolo, come auspica nei suoi obiettivi più ambiziosi l'accordo di Parigi, dovesse aumentare solo di 1,5 gradi rispetto alle temperature attuali, il 6% degli insetti perderebbe il proprio habitat e anche l'8% delle piante e il 4% dei vertebrati. Sembrano numeri piccoli, ma incidono con un effetto leva su una scala molto ampia, quindi vanno prese in considerazione per i loro effetti ultimi queste percentuali. Qualcuno di voi aveva intercettato questa informazione? Nessuno alza la mano? Grazie, almeno qualcuno c'è. Però sapete che se invece di aumentare di 1,5 gradi, aumentasse di 2 gradi, e purtroppo il trend attuale va anche oltre i 2 gradi in più di aumento della temperatura, queste percentuali che vi ho appena letto si moltiplicherebbero per 2, quindi sarebbe il 12% degli insetti a perdere il proprio habitat, il 16% delle piante, l'8% dei vertebrati. Gilbert, buonasera. Bonsoir. Alla luce di queste informazioni, adesso anche altre ne recepiremo. Allora, il titolo che abbiamo dato a questa serata, Emergenza Biodiversità, è legittimo, è fondato, vuole spiegarci meglio di quanto non abbia saputo fare io da giornalista, visto che lei è un importante studioso a livello internazionale sulle tematiche della biodiversità, vuole spiegarci in che termini, ecco, la diversità delle specie oggi è a rischio. Merci beaucoup. Ce matin, en France, le journal Libération sort sa première page. De l'éléphant à l'alouette, ça manque énormément. Et je fais un article que vous pourrez lire dedans où je dis, en fait, si nous continuons comme ça, nous allons partir avec les hippopotames, avec les baleines et les girafes. L'humain est bien sûr incapable de détruire le vivant. Il y avait des bactéries, nous sommes pleins de bactéries nous-mêmes, un corps humain, c'est plus de bactéries que de cellules humaines. Un bébé qui naît, c'est 3/4 d'eau, de l'eau liquide. Et c'est parce que l'eau est liquide sur la Terre que la vie existe. Et bien par contre, ces animaux dont on parle depuis tout à l'heure avec notre ami, ces vertébrés, ces plantes, aussi bien sûr. Parce que le vivant, c'est quoi? Ce sont des bactéries, des protistes, de grosses cellules avec un noyau. Par exemple, les microalgues du plancton. Ce sont les champignons. Ce sont les plantes et les animaux. Tout ça, aujourd'hui, moi j'ai présidé pendant 7 ans un des plus grands musées du monde. Et nous savons qu'on connaît à peu près aujourd'hui un peu plus de 2 millions d'espèces vivantes. 2 millions. J'ai quelques photos, peut-être qu'on peut les regarder. Je ne sais pas si on peut passer les photos. On peut les voir. Celui-ci. Donc 2 millions d'espèces. Là-dessus, voilà. Je vous ai mis une courbe ici, en haut, qui est la courbe justement de IPCC. La température ici à Rome, j'ai regardé, depuis 120 ans, elle a monté de 1,1 degré. Il y a 19 000 ans, ici, la salle n'existait pas.
mais il y avait une nature sauvage. Il faisait 4 degrés de moins et la mer ici, à Ostie, était 125 mètres plus basse. C'est le moment où les humains vont aller à pied de l'Asie à l'Amérique. C'est le moment aussi où les humains vont à pied de l'Angleterre à la France. C'est le moment où les humains vont à pied de l'Inde à l'Australie. Donc ce climat a toujours été extrêmement important sur les mouvements de l'humanité. Sur 120 000 ans, chaque fois que le Sahara reverdit, les hommes sortent de l'Afrique. Il y a 90 000 ans, 70 000 ans, 50 000 ans, on va vers le nord. Les sapiens, ce que nous sommes, vous rencontrez les Néandertaliens qui étaient là avant, qui étaient en Asie et en Europe, et la construction de la géographie de l'humain va se construire comme ça. Alors ce vivant, en fait, il a toujours été partout et présent depuis l'apparition de la première cellule dans l'océan. Regardez, je vous ai mis ici un morceau de forêt amazonienne, 50 000 espèces au kilomètre carré. Je vous ai mis un morceau d'océan que j'aime beaucoup, le corail, en Nouvelle-Calédonie, 6 000 espèces au kilomètre carré, un carré de 1 km de côté, 600 poissons, 600 espèces de corail. Et je vous ai mis en haut Shanghai, la moitié des Français. Donc vous imaginez bien effectivement comment l'humain a pu jouer un rôle décisif sur cette diversité biologique. Et je vous ai mis en bas un article dans le journal Le Monde qu'on a publié avec des amis de l'Académie des sciences il y a quelques semaines. Appel à tous les chefs d'État. Mettez en priorité numéro 1 les questions de l'environnement, le vivant, la biodiversité et le climat. La suivante. C'est moi qui passe les images ici, peut-être. Je peux les passer si ça marche. Voilà. Comment ça a commencé? La question de mon ami. Là, je vous ai mis une goutte d'eau de mer. Où que vous alliez au monde, c'est la même. Et ça, ça marche depuis 4000 millions d'années. C'est quoi la vie? C'est quoi la biodiversité? C'est une cellule. Et une cellule, c'est quoi? C'est une membrane. Une petite membrane avec quelque chose à l'intérieur et quelque chose à l'extérieur, avec des choses qui passent de l'un à l'autre. La cellule, elle apparaît dans l'eau de mer, dans l'océan ancestral. Tout à l'heure, vous verrez que tous, nous sommes très liés à l'eau de mer. Nous avons un petit océan au sein de chacun d'entre nous. Qu'est-ce que vous voyez ici? Trois types de cellules. Vous voyez des centaines de milliers de microalgues, des protistes, des millions de bactéries et des milliards de virus. C'est comme ça depuis le début. Et ça, dans de l'eau de mer, c'est 98% du vivant. Les poissons, les baleines, c'est que 2%. Une goutte d'eau de mer, c'est uniquement cela. Je ne sais pas où ça va, la suivante. Passez-les, alors, je ne sais pas où ils sont. On me passe la suivante. Deuxième écosystème. Regardez, ça c'est une chose intéressante. Je vous montre ici une supernova qui explose il y a 12 milliards d'années. Ça se ressemble beaucoup, hein. Des étoiles qui explosent et qui amènent les éléments chimiques après l'hydrogène, qui feront toute la chimie de la Terre et la chimie de la vie aussi, bien sûr, avec une goutte d'eau de mer. La suivante. Voilà. Un sol. Votre jardin. Nous parlons de jardin ici. Gilles les connaît bien, ce jardin. Les sols, l'océan, c'est 13% des espèces connues sur la Terre aujourd'hui. Une sur six. C'est pas tellement. Il est gigantesque, l'océan. Il y a beaucoup moins d'espèces dans l'océan que dans les sols. Les sols, partout. Vous avez 2,5 tonnes de bactéries à l'hectare. Vous avez 3,5 tonnes de micro-champignons à l'hectare. Qui les connaît? Et vous avez mes chouchous, des insectes. Hein. On a des collemboles. Il y a aussi des acariens. Il y a des vers de terre. Il y a des nématodes. Il y a des tardigrades. Tous ces petits êtres vivants constituent le tissu vivant du sol. Partout. C'est la base de l'agriculture, de la forêt. Et on a tué la moitié des sols de la Terre. Depuis 40 ans, avec nos pesticides et nos insecticides, on a tué la moitié de la vie des sols. Un travail urgent, ramener du vivant dans nos sols. Une goutte d'eau de mer, un morceau de votre jardin, et mon dernier système sur la photo suivante, c'est quoi ça? C'est l'intestin d'un bébé humain à la naissance.
On a tous ici dans la salle, garçons et filles, été à un moment un bébé humain à la naissance. À quel moment ce bébé entre en contact avec la biodiversité de la Terre? C'est pas au moment de sa conception. C'est pas durant les 9 mois durant lesquels sa maman le porte. Il y a beaucoup de femmes qui ont eu des bébés ici. Rappelez-vous la rupture de la poche des os. À ce moment précis, les bactéries de la maman qui sont là vont aller se précipiter et contaminer ce bébé. Un bébé, il met 2 années pour avoir ces bactéries à lui. Et ça change. Depuis 40 ans, ici à Rome, 300 maladies qui n'existaient pas en 1940. Alors, des maladies liées à l'âge, oui, bien sûr. Des maladies liées aussi à l'exposition au soleil, les cancers de la peau. Et plein de maladies qui sont liées au changement de la biodiversité et au changement climatique. Aujourd'hui, on vit un drame en Europe et aux États-Unis et au Japon qu'on appelle antibiorésistance. On va beaucoup trop utiliser ces substances. Il y a beaucoup plus de morts en France, en Italie, par cette antibiorésistance que par les accidents de la route, infiniment plus. Des maladies qu'on savait traiter il y a 20 ans, demain, on ne saura plus les traiter. Et si je pousse le système le plus loin possible, prenez un hôpital tout neuf ici à Rome. Il y a des salles dedans. Si vous ouvrez un humain là-dedans, il est mort. Il reste un seul être vivant, ce que la nature n'a jamais inventé, bien sûr, hein. Banal. Un staphylocoque, un streptocoque, un aéromonas. Il résiste à tout. Vous voyez qu'avec 3 écosystèmes comme ça, je raconte une histoire. La suivante. Nous faisons avec mes amis bretons une expédition 2 ans autour du monde, 3 ans, entre 2010 et 2013. Et nous allons séquencer l'ADN de 35 000 stations de la surface de l'océan, au nord, au sud, à l'est, à l'ouest. Et regardez, vous avez ici, par exemple, vous avez effectivement ces microalgues que j'évoquais tout à l'heure. Et sur l'image suivante, qu'est-ce que je vous montre ici? En rouge, des gènes de l'ADN qu'on ne trouve que dans l'intestin de mon bébé. En bleu, des gènes qui n'existent que dans mes microalgues marines. Et regardez, en gris, tous ici dans la salle, nous avons un tiers de notre ADN qui est commun avec les microalgues marines. D'où vient-on? Comment la vie est partie? Et quand on regarde les relations entre ces cellules du plancton, c'est l'océan depuis 4000 millions d'années. Il y a beaucoup plus d'entraide, de symbiose, de mutualisme et de commensalisme que de compétition. Darwin n'a jamais dit que la vie, c'était une compétition dramatique. Darwin a dit, elle existe la compétition. Quand vous avez un lion qui tue une antilope, c'est violent, mais c'est harmonieux. Il y aura toujours beaucoup plus d'antilopes que de lions. Et pour revenir au lion, et ce que disait notre ami tout à l'heure, en 40 ans, nous avons tué la moitié des lions, la moitié des éléphants. Selon les pays africains, entre 50 et 90% des girafes. Pourquoi? Comment? On ne les mange pas, les girafes. On les tue. On détruit leur habitat. On pollue leur habitat. On dissémine tout partout, des plantes en particulier qui nous posent des problèmes aujourd'hui. Il y a une plante que des gens ont ramenée dans leur jardin, il y a quelques années, d'Amérique du Sud. Ça s'appelle l'ambroisie. Très jolie, des fleurs jaunes. Elle est en train en ce moment de coller des crises d'asthme à 15% des Français. Donc vous voyez que l'humain intervient partout. Il pollue, il détruit, il dissémine, il surexploite les pêches mondiales, la forêt tropicale qu'on évoquait tout à l'heure. Et puis, l'influence sur le climat. Il faut être de très mauvaise foi pour dire que l'homme n'est pour rien sur le changement climatique. Si on a un petit moment, je pourrais vous le démontrer tout à l'heure. Image suivante. C'est quoi ça? C'est votre lit ce matin. Dans chaque lit de chacun, que vous dormiez tout seul ou à deux, ça marche, mon histoire. Nous avons entre 1 et 2 millions d'acariens par lit. On me dit, oui, la biodiversité, c'est un truc d'écolo farfelu, ça sert à rien. On vit dedans. Vous avez plus de relations intimes avec
et Zacharias dans votre lit, qu'avait votre copine. Et pour terminer, la suivante. Voilà, c'est ça la biodiversité. C'est pas une liste de papillons, de coléoptères ou de poissons, c'est pas ça. Ça, c'est un catalogue, un inventaire, c'est pas ça qu'on cherche, nous. C'est ça la biodiversité. Et depuis que l'humain existe, qu'est-ce qu'il mange ? De la biodiversité, il ne mange que du biologique. On l'a vu, on ne coopère qu'avec du biologique. Tous ! On mange combien de viande ? 5, 6 ? Tous ! Au Japon, en Patagonie, en Chine, 5, 6 viandes ! C'est intéressant d'y réfléchir. Si j'enlève ici le verre des bouteilles et des verres et le nickel des couverts, c'est que du vivant. Grattez la croûte d'un fromage italien. Il est rempli d'acariens avec des épines. Mais c'est génial. Vous les regardez, c'est un peu dégoûtant. J'arrête de manger du fromage une semaine. Et comme c'est tellement bon, je recommence la semaine suivante. Donc vous voyez que je vais vous démontrer ce soir que ce vivant, cette biodiversité qu'on évoque ici, on ne peut pas s'en passer. C'est pas une histoire d'écolo farfelu. C'est notre avenir à tous. Et c'est quoi la biodiversité ? C'est la partie vivante de la nature. Et cette biodiversité, elle apparaît dans l'océan, on a dit, il y a un peu moins de 4000 millions d'années. Tout est parti de là. Et le drame actuel de l'humain, c'est qu'on n'a aucun respect pour le non-humain. On ne pense qu'à nous. On passe à la suivante. Là, je vous ai mis une vache, voilà. Ben, les vaches, ça pose des problèmes. On a 1,3 milliard de vaches sur la Terre. Les vaches sont, les avions sont pour 2% dans le changement climatique. Les vaches, 16%. On a beaucoup trop. Il y a même des gens en Inde ou bien à Madagascar, ils ont des vaches, ils ne les mangent pas. Parce que, montrer qu'on est riche, on a des femmes et des vaches. Voilà. Et ça pose un problème gigantesque. Je ne suis pas en train de vous dire de devenir vegan, c'est pas ça. Mais il faut manger beaucoup moins de viande. Vous en mangez une ou deux par semaine, c'est largement suffisant. Vous serez beaucoup plus beau, en bien meilleure santé, et la planète s'en portera beaucoup mieux. La suivante. Alors ça a commencé quand, mon histoire ? Ça a commencé à un moment, il y a un peu plus de 1 million d'années en Afrique, où l'humain domestique le feu. Ça va tout changer. En fait, on n'était que animal jusque-là. On est toujours animal. Hein. On a le même sang que l'océan, je vous ai raconté tout ça. Pourquoi est-ce que, s'il y a des médecins dans la salle, nous avons dans notre sang du sodium et des chlorures. C'est quoi le chlorure de sodium ? C'est le sel. Et c'est l'océan. Qu'est-ce que fait dans un sang humain ? Tous ici, garçons, filles, qu'on soit bleu à point jaune, grand, petit, moche ou beau, nous avons 140 millimoles de sodium et 105 millimoles de chlorure dans notre sang. On raconte l'histoire de la vie qui un jour sort de l'océan, il y a 450 millions d'années, pour aller vers les continents. Et le feu va nous changer du système, parce qu'avec le feu, la plus belle histoire, c'est qu'au coin du feu le soir, on se raconte des histoires. Ils parlaient, ces gens-là. Le cerveau humain va considérablement se développer. On se raconte des histoires dans la journée. Le feu permet de garder à l'écart les prédateurs. Le feu permet de durcir les épieux de chasse ou de guerre. Le feu permet d'éclairer la journée. Quand la nuit arrive, on a très peur de la nuit. Le feu permet d'aller dans les grottes pour dessiner de merveilleuses histoires. Et enfin, le feu permet de cuire les aliments. Et ça, c'est intéressant deux fois. Quand vous cuisez un aliment contaminé, pensez à Lucie, il y a 3 millions d'années, qui récupérait un petit morceau de viande sur un cadavre de zèbre tué par un lion il y a 10 jours. Étaient passées les hyènes et les vautours. Vous avez intérêt à cuire la viande. Vous serez quand même moins malade. Et deuxièmement, à une époque où on n'avait pas beaucoup à manger, si vous mangez des aliments cuits, vous en mangez beaucoup moins que des aliments crus, qui se digèrent beaucoup plus difficilement. Deuxième histoire, c'est il y a environ maintenant 12 000 ans, tout à l'heure on en a parlé ensemble avec Gilles, c'est la suivante. Qu'est-ce qu'on fait ici ? Les femmes commencent à faire beaucoup de bébés. Il reste plus que Homo sapiens sur la Terre. Néandertal a déjà disparu. Et qu'est-ce qu'on fait ? Ben on s'arrête. On ne peut pas migrer avec des femmes et des enfants. On s'arrête. Et j'étais il y a quelques mois en Asie centrale,
où ces gens-là étaient uniquement des nomades. Et il me disait, mais c'est terrible. À l'époque, quand on était nomade, on partait tous les jours comme une plante, comme un arbre. Aujourd'hui, quand vous faites ça, vous arrivez chez quelqu'un. On ne peut plus être nomade aujourd'hui. Et c'est le drame des populations du sud du Sahara ou de l'Asie orientale. Et là, qu'est-ce qu'on fait? Ben, Gilles vous en parlera. On invente agriculture et élevage. On garde avec nous, dans nos premiers jardins, on a des mélanges de plantes sauvages et de plantes... Vous savez, les plantes, elles vont devenir domestiques qu'au 19e siècle. Jusqu'au 19e, elles ne sont pas vraiment domestiques. On court le monde, on ramène la fraise du Chili, on ramène la tomate du Mexique avec le maïs, on ramène la banane de Papouasie, on ramène le haricot d'Amérique centrale. Le riz, on va le chercher en Asie, bien sûr. La pomme de terre, hein, c'est quoi un Français ou un Italien sans patate? Eh bien, il vient du Chili, du Pérou, la patate. Hein. Elle n'était pas avant chez nous. Tout ça va créer, dans ces jardins, bien sûr, ces questions particulières. Et on construit les premières cités. La suivante. Nous sommes juste avant la Révolution française. James Watt, aux États-Unis, invente la première locomotive. Et du jour au lendemain, il faut du charbon et du pétrole. Que la nature avait stocké. Tranquillement, ça ne gênait personne. Les gisements de charbon, les grandes forêts du Carbonifère, le pétrole, le plancton marin, ça gênait personne. Et dans une imprévoyance totale, sans réfléchir à l'impact, Homo sapiens commence à utiliser pétrole et charbon et rejette dans l'atmosphère. Et cette imprévoyance, elle est dramatique. On le paye aujourd'hui sous le nom de changement climatique. Autre aspect aussi de l'humain, c'est qu'on est très arrogant. Lisez les journaux, on ne pense qu'à nous. Surtout les mâles, c'est les hommes qui sont beaucoup plus arrogants que les femmes. Et on est cupide. Et malheureusement, les femmes sont aussi cupides que les garçons. Elles sont moins arrogantes, mais sont... Et ces trois critères, imprévoyance, cupidité et arrogance, vont amener la situation actuelle. Hiroshima et Nagasaki, pour la première fois, je vais m'arrêter là après, l'humain est capable, par sa science, sa technologie, de créer un événement qui ressemble aux grands événements naturels. Pompéi, on n'est pas loin, Herculanum, le Vésuve crash. On sait faire la même chose. On appuie sur un bouton, une bombe détruit 60 000 personnes à Hiroshima. Ce que fait un volcan, ce que fait un grand tsunami, 300 000 morts à Sumatra en 2003-2004. Et c'est le moment aussi où on va multiplier les humains. En 1945, nous sommes 2,1 milliards d'humains sur la Terre. On arrive à 8 aujourd'hui. On est un petit peu au-dessous de 8. Dernière remarque ici. Un prix Nobel de chimie qui s'appelle Paul Crutzen nous propose en 2000 un terme qui a fait le tour du monde, anthropocène. La fraction de l'histoire de la Terre durant laquelle le plus puissant moteur du changement, c'est l'humain. Voilà, l'histoire est racontée en quelques images. La biodiversité, la partie vivante de la nature, 2 millions d'espèces connues, peut-être 20 millions qui existent. J'ai regardé, moi, c'était mon métier. On décrit combien d'espèces nouvelles par an depuis 15 ans? Allez, 18 000, 700 en France, en Europe, 700 en Europe, 100 en France, 100 en Italie, chaque année. Un champignon, un petit nématode du sol, une petite plante. Les arbres, on a fait le tour des arbres, on ne trouve pas de nouveaux arbres, on les connaît. Ce qui fait que s'il y en a vraiment 20 millions, on en connaît deux. 20 moins 2, ça fait 18. Au rythme actuel, 18 000 espèces par an, il nous faut 1000 ans. 1000 ans pour simplement décrire ce qui existe. Et à la fin de ce siècle, on en aura perdu la moitié. Voilà, voilà le défi qui nous est lancé. È una sfida e una grande responsabilità per la nostra specie che può comprendere tutto questo e può dettare i destini del futuro che attende la biosfera tutta a seconda dei modelli di convivenza che sapremo gestire d'ora in avanti, visto che la consapevolezza sulle conseguenze del cambiamento climatico ormai è certificata da importanti organismi internazionali, non è più soltanto un'opinione degli ambientalisti.
Stefano Mancuso, prima evidenziavo insieme al pubblico la contraddizione nella quale ci troviamo, è vero, non è l'unica, però ecco, cresce la sensibilità verso i diritti anche degli animali. Abbiamo tutti più o meno a che fare con le piante nella nostra quotidianità, però non siamo poi così consapevoli dei rischi che la biodiversità nel suo insieme sta correndo, anche per come ce l'ha raccontata in maniera scientificamente poetica, mi viene da dire, Gil Beff. Prima parlavamo degli stambecchi nel Parco del Gran Paradiso, no? Ne sopravvivono meno adesso rispetto a un tempo, ma perché? Perché a causa del cambiamento climatico il prato di cui si nutrono perde alcune caratteristiche nutrizionali e quindi è la base anche della vita delle specie animali intorno alle quali noi ci concentriamo anche quando ragioniamo sul concetto di biodiversità. Lo visualizziamo innanzitutto relativamente alle specie animali, ma in realtà noi siamo arrivati dopo. Eh beh sì, certo. Noi, prima diceva Gilles, siamo una specie arrogante. E io direi che siamo arroganti, ma soprattutto siamo presuntuosi, ancora più che arroganti, perché pensiamo di essere i signori della natura e che quindi tutto quello che esiste su questo pianeta sia stato creato, esista per noi. E questo è un problema enorme su cui ora torneremo velocemente. Ed è questa presunzione anche ci impedisce di capire come funziona veramente il mondo. Allora, siccome io ho sempre studiato le piante e diciamo sono i miei organismi preferiti, volevo ricordare velocemente anch'io dei numeri che riguardano per esempio la quantità di piante, che sono dei numeri che normalmente sono sconosciuti, non il numero delle specie. Il numero delle specie vegetali è probabilmente non così elevato, è probabilmente inferiore al numero di specie animali, ma la biomassa, cioè la quantità di vita, che cos'è la biomassa? È il peso di quello che è vivo. Se noi potessimo pesare tutto quello che è vivo su questo pianeta, il risultato sarebbe sconcertante, perché le stime più accreditate dicono che una quantità che va dal 95 al 99,7% di tutto quello che è vivo è fatto da piante o da organismi che sono in grado di fotosintetizzare in genere, quindi comprese le microalghe di cui prima parlava Gilles. Questa stima, vi ripeto, le più accreditate sono sul limite estremo, quindi sul 99,7%. Ora, provate a immaginare quale difficoltà di comprensione noi abbiamo della vita. Noi facciamo parte di questo rimanente 0,3% in massa, gli animali tutti, e siamo completamente ignari delle piante, perché per quanto si sta sviluppando negli ultimi anni una certa coscienza che riguarda il problema dell'estinzione degli animali, sappiamo quanti animali si estinguono, eccetera, sulle piante non sappiamo assolutamente nulla, niente. Per esempio non sappiamo quante specie vegetali esistono, ne conosciamo probabilmente meno del 50%, meno. Nel 2016 sono state scoperte all'incirca 2200 specie vegetali nuove. Non immaginate delle piantine minuscole, anche degli alberi di 80 metri. E da queste piante noi dipendiamo direttamente. Dipendiamo, intendo dire, non è un modo di dire. Dipendiamo perché senza le piante non può esistere la vita animale. Noi siamo qui perché respiriamo l'ossigeno che è prodotto dalle piante, mangiamo alimenti che sono prodotti dalle piante. Ancora oggi, nel 2018,
9 principi medicinali su 10 sono stati per la prima volta studiati o sintetizzati a partire da molecole vegetali. La nostra energia, intendo dire l'energia della vita di questo pianeta, proviene dalle piante. Le piante sono il legame fra il sole e la terra. Senza le piante, l'energia del sole non si potrebbe trasformare in zuccheri, che sono ciò che rende possibile il fatto che noi siamo qui. Ora, di questi organismi viventi noi non sappiamo decisamente niente. Per esempio, non li vediamo, e questa è una... E questo è un problema enorme, è stato studiato, non la chiamerei una patologia, ma direi che è un malfunzionamento del nostro cervello, è chiamata in inglese plant blindness, cecità alle piante, il fatto che noi siamo assolutamente impossibilitati nell'accorgerci delle piante, cioè non le vediamo. E quando le vediamo non le percepiamo come esseri viventi. Da che cosa nasce questa plant blindness è stato studiato? Nasce dal fatto che il nostro cervello, di cui siamo così orgogliosi, avete sentito spesso parlare, l'avrete sentito dire, no? Uno degli atti della nostra presunzione, l'oggetto più complesso dell'universo. Questa è una delle definizioni che si sente spesso dire sul nostro cervello. Il nostro cervello è l'oggetto più complesso dell'universo, ma che è una cosa molto, molto ridicola. Uno, perché non sappiamo assolutamente cosa ci sia nell'universo. E due, perché non è neanche l'oggetto più complesso sulla Terra, ma neanche lontanamente. L'apparato radicale di una quercia ha un numero superiore di radici di quanti sono i neuroni del nostro cervello. Però... A me non verrebbe mai in mente di dire che l'apparato radicale della quercia è l'oggetto più complesso dell'universo. Allora, questo oggetto comunque così complesso che teniamo qui ha una capacità di calcolo bassissima, 300, in termini informatici 300 bit al secondo, niente. Soltanto attraverso i nostri occhi entrano nel nostro cervello 1,5 miliardi di bit. Attraverso tutti i sensi 4 miliardi di bit di informazioni al secondo arrivano e noi ne possiamo processare 300. Niente, nulla. Allora che cosa fa il nostro cervello? Filtra via tutto quello che ritiene non interessante, non importante. Ora, agli inizi della nostra evoluzione, noi ci siamo evoluti in mezzo alle piante, nelle piante, era abbastanza importante che utilizzassimo questa piccolissima capacità di calcolo del nostro cervello per accorgerci se c'erano altre persone o altri animali che potevano rappresentare un pericolo per la nostra sopravvivenza. Oggi però il non avere la capacità di accorgerci che la vita su questo pianeta è una vita vegetale ci sta portando su una strada molto molto pericolosa. Io ritengo decisamente che noi avremmo bisogno di una specie di rivoluzione copernicana, così come Copernico e Galileo prendono la Terra e la mettono al suo posto nell'universo, che è un posto, diciamo, come saprete, molto, molto secondario, e la stessa cosa andrebbe fatta oggi per la vita. L'uomo non è il centro intorno al cui ruota la vita dell'universo, ma è una specie molto ininfluente. Proprio lo dico, direte, ma non ininfluente non lo puoi dire, visto che sta distruggendo il pianeta. Beh, anche questa, io contesto anche questo modo di dire, noi distruggiamo il pianeta, ma quando mai? Un'altra delle manifestazioni della nostra enorme presunzione. Noi al massimo distruggiamo noi stessi. La vita ci sopravviverà in maniera tranquillamente, senza neanche che veramente saremo stati una impercettibile increspatura di onda nella storia di questo pianeta, ma non abbiamo la capacità di distruggere il pianeta. Le piante sono qualcosa di molto diverso da noi, anche questo è uno dei motivi per cui noi non le comprendiamo, no?
sono proprio fatte in maniera diversa, non hanno organi, per esempio, singoli o doppi, per un motivo semplicissimo, perché sono dei punti deboli. Sono fatte, ora non abbiamo tempo, ma sono fatte in una maniera molto più robusta di noi, molto più, direi, intelligente. Per capirci, vi faccio un esempio brevissimo, rapidissimo. Le piante non hanno un cuore, due polmoni, un fegato, due reni, eccetera, che svolgono delle funzioni. Perché non li hanno? Due occhi. Perché non li hanno? Perché le piante sono soggette a predazione, le piante sono fatte per essere robuste. Immaginate se una pianta avesse un cervello, il primo bruco che fa un buco nel cervello ucciderebbe la pianta. Allora cosa hanno fatto le piante? Le piante si sono evolute in una maniera completamente diversa, diffondendo sull'intero corpo tutte quelle funzioni che gli animali concentrano negli organi. È una rivoluzione proprio nella concezione stessa della vita, ed è una rivoluzione che ha degli effetti straordinari, che porterà le piante a rappresentare la quasi totalità della vita. Perché? Perché non si possono fermare. Come se voi rimuovete il 90% di una pianta, la pianta continua a vivere. Ora, io vorrei essere fatto come una pianta. Ma sinceramente, mi piacerebbe avere 8-9 cuori, una decina di cervelli, insomma, organi ridondanti nel mio corpo, in modo da non essere soggetto, diciamo, a questa estrema precarietà che la rottura di un qualunque organo porta alla vita animale. Le piante sono degli straordinari esempi di resistenza e sono l'essenza stessa della vita del pianeta. Ora, quando noi pensiamo di essere i dominatori di questo pianeta, è il meglio che esiste. Questo io vorrei spendere i prossimi 5 minuti su questo argomento. Come mai riteniamo di essere il meglio? Ora, parliamoci chiaramente, tutti quanti qui dentro, già per il fatto di essere presenti in questa sala, vuol dire che abbiamo una particolare attenzione ai temi dell'ambiente, eccetera. Però quanti di noi direbbero mai: io non sono il meglio? Cioè, non, che ne so, quanti di voi penserebbero di essere peggio di una mucca o di un albicocco, di un fico? Nessuno. Inevitabilmente nessuno di noi pensa di essere peggio di una mucca o di un albicocco, anche se lo dice non è vero. Noi non lo pensiamo. Da cosa nasce questa nostra convinzione così consolidata, che è uno dei problemi che ci sta portando al disastro? Da che cosa nasce? Nasce da un'idea che non esiste, l'idea del meglio nell'evoluzione non esiste. No, meglio è qualcosa che funziona se c'è una gara. Dobbiamo saltare. Chi salta 2 metri è meglio di chi salta 1,90 m. Dobbiamo correre il più velocemente possibile. Chi corre in 10 secondi 100 metri è meglio di chi corre in 11. Ma il fine della vita qual è? Saltare, correre? No. Il fine della vita è propagare la vita stessa. Questo è il fine della vita, propagare la nostra specie. Allora, avendo scoperto ora qual è il fine, se dobbiamo continuare ad essere meglio degli altri, dobbiamo essere meglio in questo specifico problema. Ora chiediamoci: qual è la vita media di una specie sulla Terra? Ve lo dico io. 5 milioni di anni. Mediamente una specie esiste per 5 milioni di anni. Poi ci sono delle specie, soprattutto fra le piante, per esempio, che ne so, il ginkgo biloba, 250 milioni di anni. Le conifere, le felci, sono tutte specie che esistono da tempi immemorabili. Quindi molto di più di questi 5 milioni di anni di media. Però manteniamoci sulla media. 5 milioni di anni. Ora, sapete da quanto esiste
la nostra specie, fra l'altro incidentalmente si chiama Homo sapiens, sapiens, due volte. Da soli questo nome. No, ma due volte, perché una non bastava, sempre a sottolineare la nostra presunzione enorme. Quindi l'Homo sapiens sapiens esiste da 300.000 anni, da 300.000. Se io ora vi chiedessi a tutti voi, che prima eravate così sicuri di essere meglio di una mucca e di un albicocco, quanti di voi sono sicuri che noi saremo qui fra 4 milioni e 700.000 anni? Avete presente questa quantità di tempo? 4 milioni e 700.000 anni, in quanti scommetteremmo su questa cosa? Probabilmente nessuno, no? Molto pochi. Bene. Questa è l'idea che noi siamo meglio perché abbiamo fatto Palazzo Farnese, perché abbiamo dipinto la Cappella Sistina, perché abbiamo scolpito la Venere di Milo, perché abbiamo elaborato la teoria della relatività, non ha alcun senso in termini evolutivi. Se noi ci estinguessimo fra 1.000, 5.000, 100.000 anni, nel giro di poche migliaia di anni cosa rimarrebbe di tutta questa gloriosa abilità umana? Nulla, nulla. E prima Gilles ci ricordava i tempi della vita. La vita è presente su questo pianeta da 3 miliardi e 800 milioni di anni. Noi siamo arrivati 300.000 anni fa. Abbiamo compiuto dei disastri immani in una quantità di tempo brevissima, poco più di 10.000 anni. Allora, questa idea di superiorità umana traballa fortemente, perché una mucca non potrà mai estinguersi da sola, un albicocco non si estinguerà mai da solo. Perché si estinguano le specie bisogna che esistano, che si verifichino delle catastrofi come la caduta di quel meteorite che 66 milioni di anni fa fece estinguere i dinosauri. Mentre noi da soli stiamo producendo un'infinità di modi per estinguerci. Prima Gilles citava l'antropocene. L'antropocene è una vera e propria era geologica. Cioè oggi, così come il Cretaceo inizia 66 milioni di anni fa con la caduta del meteorite, l'antropocene oggi ha una data, perché per tanti anni si è molto discusso, per poterlo considerare una vera e propria era geologica, bisogna che ci sia una data certa, un qualche cosa che di sincrono che si può trovare dappertutto nel mondo che ci dice da questo momento è iniziato l'antropocene. E allora per tanti anni si è discusso quando era iniziato, quando inizia l'antropocene. C'era chi diceva 12.000 anni fa con l'invenzione dell'agricoltura. L'uomo inizia a disboscare per coltivare le sue piante e quindi in questa maniera inizia ad alterare il pianeta. Poi c'era chi diceva no, non è vero, l'antropocene inizia con la scoperta dell'America, col 1492 il mescolamento di idee, specie, malattie, porta a un cambiamento. Poi c'era chi diceva no, inizia con la rivoluzione industriale alla fine del Settecento. Ebbene, oggi abbiamo una data precisa. Addirittura sappiamo il mese. L'antropocene inizia a novembre del 1965. Perché? Molto probabilmente verrà presa questa data. Perché abbiamo trovato questo famoso segno sincrono che si trova in tutti i luoghi del mondo. E qual è questo segno sincrono? Dove lo si è trovato? Nelle piante. Se voi prendete un qualunque albero del mondo, qualunque, che abbia
più di 53 anni, ve lo dico con certezza perché il 65 è l'anno in cui sono nato io. Io sono nato con l'antropocene, una disgrazia. Quindi qualunque albero che abbia più di 53 anni e voi andate a vedere l'anello concentrico che si è formato nel 1965 e analizzate il legno che si è formato nel 1965, vi accorgete che c'è un picco di carbonio 14. Carbonio 14 è un isotopo del carbonio che si produce in tante maniere, ma quella più semplice è attraverso le esplosioni atomiche. E nel 1965 c'è stato il picco degli esperimenti atomici sulla Terra. Non sappiamo esattamente quanti, ma anche lì ci sono delle stime che dicono che nel 65 sono state fatte esplodere 2000 bombe atomiche. Allora, una specie che è riuscita, diciamo, a produrre questa roba qua e che è in grado di modificare in maniera, come dire, peggiorativa il suo ambiente, che non si accorge e che non è in grado di comprendere che le risorse con le quali sopravvive termineranno, che non è in grado di comprendere che gli organismi dai quali dipende devono essere tutelati, è un essere vivente che è destinato, diciamo, ad estinguersi. Quindi prima ancora che arrogante, io credo che l'uomo sia stupido e presuntuoso. Grazie. Però qualche eccezione c'è dentro questo, come dire, dentro questo panorama di presunzione e di stupidità che ci hai descritto. Ti faccio un solo nome, forse tra le poche eccezioni, se ti va, ma San Francesco mica la pensava proprio così. Eh beh, no, cioè, hai ragione, certo. Vero? Sì, d'accordo. E quindi facciamoci ispirare, come dire, da questi valori per capire come ritrovare un rapporto di equità e di armonia tra le specie e con il resto della biosfera, rispetto alla quale noi però conserviamo una forte responsabilità proprio per le leve di cambiamento che possiamo introdurre, e a pagarne le conseguenze, è vero, potrà non essere la vita sul pianeta propriamente detta, sarà innanzitutto la nostra specie a rimetterci se il cambiamento climatico proseguirà la sua corsa come oggi, ma sono soprattutto le fasce più povere e più deboli quelle che pagheranno innanzitutto le conseguenze del cambiamento climatico. Quindi c'è un forte richiamo etico oggi che riguarda la vita tutta e in particolare la specie umana, nel far sì che ci disancoriamo dallo sfruttamento delle fonti fossili. Ciò che mi appassiona di questa conferenza, oltre al prestigio dei singoli relatori, fra l'altro a Stefano Mancuso, Le Monde ha dedicato la prima pagina un paio di anni fa, è vero, quindi ne siamo particolarmente orgogliosi, è l'assortimento, è la diversità degli sguardi, perché appunto Gilles Beff è un biologo, Stefano Mancuso ha inventato la neurobiologia, l'abbiamo sentito parlare quasi come un informatico quando ci descriveva, è vero, i meccanismi della vita vegetale. E Gilles Clément è un giardiniere, l'ho detto bene? E quindi buonasera Clément, benvenuto anche a lei qui in Palazzo Farnese. E vorrei, grazie. Vorrei darle la parola attraverso questa domanda. In Italia, ma lei ha la cuffia per seguire la traduzione? Non serve, lo capisce. In Italia c'è un proverbio, si dice l'erba cattiva non muore mai. Ma l'erba cattiva non muore mai, diciamo qui in Italia. Ma in francese, sì, eccolo. Serviva la traduzione. Ecco, in francese esiste questo proverbio, ma soprattutto esiste l'erba cattiva. No. Il faut juste changer de modèle culturel et dire que la mauvaise herbe n'existe pas.
Et à ce moment-là, bah alors tout va bien. On regarde les plantes autrement et on fait les jardins autrement. Mais je voudrais, alors moi je vais vous donner un point de vue de jardinier, paysagiste aussi, mais de jardinier. Et juste par rapport à ce qui vient d'être dit par Gilles Boeuf et par Stéphane, je voudrais faire un commentaire en ce qui concerne l'Anthropocène. Parce que pour moi, l'Anthropocène, il commence au moment où le jardin se crée, le premier jardin, c'est-à-dire au moment où les humains qui sont nomades au début de leur vie s'arrêtent, se posent, vous avez évoqué la question, l'un et l'autre, et transforment le paysage parce qu'ils vont créer une clairière. Là, ils ont immédiatement une action. C'est une action paysagère. Ce n'est pas une action très dangereuse qui n'a pas d'impact géologique. Mais c'est une action qui est réelle. Et puis, petit à petit, ils vont acquérir des moyens qui vont leur permettre d'aller chercher des plantes, et même des animaux qu'ils élèvent, de plus en plus loin, de les importer dans ce qui est le jardin, finalement, c'est-à-dire un petit enclos protégeant cette diversité vitale pour les humains. Avec le temps et la technologie, cette possibilité d'aller chercher les êtres vivants, de les importer, venant de très loin, est de plus en plus efficace. Mais ça reste encore juste la mécanique du brassage planétaire originel. Les plantes viennent d'ailleurs. Ce que nous mangeons vient de loin. Rien de plus. Ça n'est qu'à partir du moment où on commence à industrialiser, à avoir une vision sur la rentabilité de l'exploitation du sol, que tout change avec les machines, avec les produits. Ça, c'est le début d'une terrible position mentale qui est l'illusion de la maîtrise, parce qu'effectivement, on passe d'une méthode héroïque, difficile, mais aussi très vivable, à quelque chose qui donne des résultats fantastiques, sauf que c'est très dangereux, on ne le savait pas. Donc, pour moi, l'Anthropocène commence, alors vous, les chercheurs, vous devez savoir ça mieux que moi, pour fixer un temps, il y a des milliers d'années, des centaines peut-être, bon. Et ce qui se passe vers le début du, avant même le début du 20e, vers le milieu du 19e siècle, le début de l'industrialisation, je l'appelle le stupidocène. C'est-à-dire que là, on rentre dans un monde qui nous aveugle en nous stupéfiant, mais qui est très dangereux. Donc, ce que moi je vais... Alors ça, je voulais juste vous dire ça, en fait, par rapport à ce que vous avez annoncé. Alors, je vais montrer des images, mais ça n'est pas en rapport avec ça, c'est en rapport avec... ma façon de faire sur le terrain et aussi avec les étudiants, disons, d'instruire un projet de compréhension du monde dans lequel nous vivons. Il ne marche pas ? Tu es sûr ? Comment la première image ? Possiamo vedere la prima, per favore. Bien, grazie. Allora, le pianeta, non ? Donc, ce que je vais donner comme... j'ai 7 points dont je voudrais juste vous parler très rapidement. Le premier, c'est savoir que nous sommes dans l'eau. Nous n'avons pas quitté l'eau. Le deuxième, c'est accepter les transformations, qui sont les mécanismes de l'évolution. Le brassage planétaire en fait partie. Le troisième, c'est la nécessité de comprendre où nous sommes
dans quelle complexité même de la diversité et de ses comportements. Donc il faut observer pour comprendre. La quatrième, c'est se transformer en artisan en passant sur le terrain. Tant qu'on est dans la technocratie et la vision éloignée, qui est celle de nos politiques, il ne se passe rien. La cinquième, c'est, là on a besoin des scientifiques, accéder au génie naturel. C'est évoqué par Stefano Mancuso, mais d'autres sur le génie des plantes en particulier, pour pouvoir dialoguer avec. La sixième, c'est changer de modèle de convoitise. Qu'est-ce que nous désirons? Est-ce que nous voulons un 4x4 ou du silence, ou pouvoir boire l'eau, continuer d'être vivant ou pas? Et enfin, le septième point, c'est instruire une pédagogie du jardin planétaire. J'appelle ça les écoles du jardin planétaire pour tous. Donc, l'eau. Alors, ça marche pas. Donc, je vais lever le doigt pour dire que nous sommes, voilà, pour chaque fois, pour passer les photos. Donc, vous voyez, les habitants ici sont sur l'île de la Réunion. Et là, leur maison est entre les nuages et l'eau. Ils pensent qu'ils ne sont pas dans l'eau, mais ils y sont. Nous sommes tous dans l'eau. Nous avons l'eau dans le corps, mais nous avons de l'eau ici aussi, dans la salle. Si les conditions de la condensation existaient, on verrait une brume. Nous ne pourrons pas vivre sans ça. L'eau circule et se recycle sur la planète. Alors voilà, je ne vais pas faire mon numéro, mais enfin en gros, cette bouteille d'eau, Evian, paraît-il, ça c'est une prétention, hein, c'est pas sûr du tout. Parce qu'en fait, elle a été prise à Evian, mais elle vient d'où? Elle vient pas d'Evian, elle vient de la totalité de la planète. Elle a déjà été bu par des plantes, par des animaux et par des humains, plusieurs fois. Ça fait bizarre. Bon, c'est normal, on la boit, on l'évacue, elle se va dans les ruisseaux, les rivières, elle fait des nuages, et puis c'est poussé par le vent, il va pleuvoir. On ne sait pas d'où vient la pluie. Elle vient de la planète entière. Et comme la vie se tient dans cette petite biosphère que vous voyez là, vous en voyez un morceau, 10 000 mètres, 11 000 mètres au-dessus, c'est la limite. 8 à 10 000 en dessous du niveau de la mer, c'est la limite. C'est très peu. Mais ça se recycle en permanence et tous les êtres vivants sont dans cet endroit-là. À partir du moment où on a pris cette conscience, on comprend bien qu'on ne peut pas disqualifier ce milieu qui est celui de la vie sans nous atteindre, nous. Et ceux qui sont soi-disant puissants, très riches, et qui pensent qu'ils vont résister parce qu'ils ont l'argent, ils ont complètement oublié qu'ils respirent et qu'ils boivent, comme les autres. Donc ils sont menacés aussi. Pareil. Moi, mon symbole, ça c'est pour les enfants, mais c'est la libellule, parce que vous voyez, elle traduit cette histoire de l'eau sur le vivant. La larve de l'eau, de la libellule est aquatique, elle change de peau et elle devient un insecte parfait en volant. Elle explore l'eau de l'air après avoir vécu dans l'eau de l'eau. Elle est sans arrêt dans l'eau, donc elle symbolise pour moi l'épaisseur du vivant dans le jardin planétaire. J'ai fait un projet qui parle de ça, c'est à côté du mont... Ah tiens, je vais me déplacer. À côté du mont Gerbier de Jonc, parce qu'au pied, il y a la Loire qui naît. Alors, allez-y, passez. C'était... Ah, je changeais de main, voilà. C'était au bout de 2 mois et demi de sécheresse, et à ce moment-là, il n'était pas normal qu'on puisse trouver de l'eau à cet endroit, ni au pied, ni en haut. Mais finalement, je l'ai quand même trouvé. Voilà, dans une fente, vous ne le voyez pas, mais il y a une goutte d'eau qui tombe. J'ai donc analysé le mont Gerbier de Jonc comme une tour à eau. Allez-y, les images. C'est-à-dire comme quelque chose comme ça.
qui capture l'humidité et qui va faire le métier va se condenser. On va pouvoir récolter cette eau sans laquelle on ne peut donc pas vivre. Et on a construit un objet comme ça, sur une commande qui m'a été faite suite à cette analyse, qui est la tour à eau du mont de la ligne du partage des eaux en Ardèche, sur ce territoire assez beau, où il n'y a pas a priori vraiment beaucoup besoin d'eau, hein, il pleut. Mais on peut construire ce genre d'objet dans des endroits, et on l'a fait autrefois, où justement il n'y avait pas d'eau, et où on capturait seulement l'humidité de l'air. Alors aujourd'hui, on le fait avec des filets, avec des tissus, c'est beaucoup plus efficace. Mais moi, j'avais à disposition des pierres, donc je l'ai fait comme ça. Et bizarrement, enfin magnifiquement, si je puis dire, au bout d'un mois, eh bien, on avait de l'eau, et elle était potable. Elle est toujours là, d'ailleurs. Ça, c'est dans le mont d'Ardèche. Donc c'est juste ce sujet, parce que, comme je vous disais, il n'y a pas besoin d'eau dans cet endroit, mais c'est que c'est un sujet planétaire tellement crucial que c'était important d'en parler. C'était l'année dernière. Ah oui, ça c'est l'équipe de murailler. C'est que des pierres sèches, il n'y a pas de ciment. C'est l'équipe de ceux qui ont travaillé pour construire cet objet. Alors, deuxième sujet. Les nuages, c'est pour faire changer le thème. Hein. C'est le brassage planétaire, le mouvement et la transformation. Sommes-nous capables de changer nos modèles culturels, d'accepter que on ne soit pas obligé d'avoir du gazon pour faire du golf, d'accepter que des plantes arrivent alors qu'elles n'étaient pas là avant. Ça, c'était dans un prétendument centre écologique dans l'estuaire de... Ça marche ? L'estuaire de... du Rio Tijuana. Oui ? À droite ? Là ou là ? Dove quoi? Grazie. Et j'avais trouvé ça d'une façon, quelque chose de complètement bizarre, et de pointer du doigt ceux que l'on considère comme étant des ennemis. Quelquefois, c'est à cause des problèmes, les plantes qui arrivent de loin, mais c'est très rare. Et ça n'est pas du tout la cause essentielle de la disparition de la diversité sur la planète. Donc, accepter le voyage, il y a plein de plantes qui sont équipées pour ça. Là, je vous montre les plus connues, mais enfin, il y en a des tonnes. Elles sont des graines qui vont se déplacer, d'autres qui vont toutes seules, d'autres qui vont voyager à travers les animaux sans aucune difficulté, et qui créent au bout d'un moment ce qu'on appelle, ce que j'appelle aussi, moi, des écosystèmes émergents. C'est-à-dire qu'elles voyagent, elles s'installent, elles vont là où elles peuvent vivre, grâce au sol et au climat, et elles se mêlent à des espèces qui étaient là avant elle. Vous voyez sur cette image une plante ici carnivore qui s'appelle Sarracenia, qui est originaire d'Amérique et qui vit dans des tourbières en Europe. Et assez curieusement, elle est très maintenant, elle est installée, donc on a pris l'habitude de la voir et on ne la pointe plus du doigt en disant c'est une ennemie. Et récemment, on a vu qu'elle attirait le frelon asiatique. Vous voyez ce que c'est qui tue les abeilles. Et donc, c'est très étrange parce qu'évidemment, elle la digère. Autrement dit, on a une plante américaine qui vient réguler la population d'un insecte asiatique en Europe. Ça, c'est le brassage planétaire. Et ce sont des mécaniques qui arrive petit à petit, quelquefois brutalement, quelquefois sur un temps très très long. C'est la logique, c'est une des logiques de l'évolution. Ah, ça marche. Et accepter donc qu'il va falloir changer la carte des biomes, il faut refaire la carte. Mais ça, ce sont les zones climatiques. Il faut qu'on prenne un crayon, des couleurs, et qu'on dise, ben, on monte un peu la zone sur le continent théorique que vous voyez là. Il faut changer un petit peu les proportions. Il y aura peut-être plus de déserts tropicaux ou de steppes, c'est pas sûr, hein, ou un peu moins de forêts humides. C'est à voir. C'est plutôt un déplacement de ces zones-là, donc une déformation, qu'une diminution ou une augmentation, sachant que la quantité de l'eau sur la planète est toujours la même, sauf qu'elle n'est plus répartie au même endroit. Alors, pédagogiquement, comment on fait observer? Moi, j'ai fait un observatoire, ça c'est chez moi.
J'essaie de déterminer tout ce que je peux pour comprendre l'écosystème. C'est comme ça que je suis rentré personnellement dans le jardin, en me demandant qu'est-ce que faisait cet animal-là. La chenille vit sur la filipendule. Celui-là, la chenille ne vit pas du tout sur cette fleur, mais sur un arbre qui est l'aubépine, etc. Et celui-là, qu'on appelle la goutte de sang, est un très bon bio-indicateur. Et je vous passe là-dessus, mais c'est, je pense, une des manières, ça c'est le macaron. Oui. Mais alors, c'est le macaron, et vous le voyez, ce macaron, je ne sais pas comment il s'appelle en italien. Papilio macaron. Et bon, voilà. Et il se trouve qu'il est là en train de manger Ruta graveolens, qui n'est pas du tout habituel pour lui. Et je l'ai trouvé plus tard sur Choisia ternata, qui est un oranger du Mexique, mais qui est une rutacée de la même famille que cette plante-là. Sauf que c'est une plante exotique. Et le macaron, il est chez nous. Vous voyez, il y a quelque chose qui se passe entre des plantes qui arrivent de loin, des insectes qui étaient là avant, etc. Bon. Donc, essayer de rentrer dans ces choses-là, apprendre par exemple à un enfant, que ça c'est une chenille, ça il le comprend, mais qu'elle est rayée avec du noir et que les oiseaux, ils savent que ça c'est poison. Donc, ils ne vont pas la manger. Bref, ce sont des clés d'entrée dans les écosystèmes. Donc, observatoire, les bio-indicateurs, etc. Je vous passe là parce que vous avez compris le principe. J'ai mis en place des observatoires, à la fois du paysage et de plantes vues de près. Belvédère des lichens, il est pour comprendre quelque chose qui est dans le paysage lointain, mais aussi dans le proche, avec 21 espèces de lichens recensées sur les roches. Or, nous ne savons pas très bien quel est le rôle de tous ces lichens, mais beaucoup sont des très très bons bio-indicateurs. Donc la question de l'observation, poser un peu et essayer de comprendre où on est, c'est pas mal. Je viens de faire récemment quelque chose qui est une observation d'un paysage qui a beaucoup changé, ça s'appelle Château Rocher, et on a, je vous passe vite parce que je ne veux pas vous embêter, mis un système d'explication comme celui-là qui est pédagogique avec des définitions, des mots qui correspondent au paysage que l'on voit et qui est ouvert à tous, c'est un objet ancien et avec une explication d'un paysage transformé aujourd'hui, mais par le vivant, hein, à partir de la dynamique naturelle. Bon, ça c'est pour donner des illustrations du propos qui est celui de l'observation. Passer au terrain, ça veut dire, ben, puisqu'on a compris tout ça, est-ce qu'on va accepter l'herbe haute? Vous en parliez tout à l'heure. Alors, ben oui, pourquoi pas, mais peut-être qu'on se fait notre trace dans cette herbe-là pour cheminer. Et on verra comment on agit plus tard. C'est ça le jardin en mouvement. Et aujourd'hui, il est enseigné. Et il y a un côté très intéressant quand on voit comment les étudiants prennent le terrain et jouent avec cette diversité, avec l'objectif de ne pas la détruire, de la recenser et l'obligation de faire avec et pas contre. Et la nature, et en particulier avec le fait qu'on n'a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, on ne peut pas planter, on ne peut pas acheter, il faut tout faire avec ce qu'on a. C'est très intéressant de travailler là-dessus parce que ça les oblige à la création. Alors ils font ce qu'ils peuvent, hein. Ce sont des travaux très éphémères qui vont être remplacés d'une année sur l'autre et ce n'est pas grave, le principe étant de les amener à la créativité en respectant le vivant. Donc ça se passe sur 6 hectares dans un lycée agricole, où ils vont aller jusqu'à faire des chemins dans les ronciers, ce que j'aurais jamais imaginé, donner des noms à des arbres, des noms de dinosaures à des arbres, bon, c'est leur affaire, hein. Faire des sculptures qui ressemblent à des labyrinthes et dans lesquelles ils vont jouer, ou utiliser des épineux que l'on déteste d'habitude pour finalement en faire des choses qui sont remarquables d'un point de vue plastique et qui sont des clous d'ailleurs de la promenade quand on va la visiter parce que c'est aujourd'hui ouvert au public. Bon, ça c'est pédagogique, mais ça correspond quand même à la prise de terrain, c'est-à-dire que on est à la fois dans
le questionnement perpétuel en se disant je fais quoi avec ce que je viens de découvrir là? Est-ce que je l'enlève? Est-ce que cette plante, est-ce que j'enlève ou est-ce que je la laisse? Ça me paraît, moi, très important quand on tient un discours sur l'urgence de préserver la diversité. Il faut qu'on comprenne ce qu'elle est, qu'on la voit. L'accès au génie naturel, c'est un point très important, très mal connu. La loi d'orientation agricole en France en 2006 a interdit les PNPP, Producto Naturale Poco Preoccupante. Prodotto naturale, ça se dirait ça en italien? PNPP, c'est horrible. Ça veut dire que ça doit préoccuper sans doute quelqu'un, mais bon. Ce sont les purins d'ortie, tout ce qu'on peut faire gratuitement. Tout ce qu'on peut faire gratuitement préoccupe les financiers, évidemment. Mais ils ont réussi à faire pression sur le législateur pour interdire l'usage. Ça y est, ils sont revenus, ils ont été obligés d'accepter, mais c'était quand même comme ça. Et jusqu'en 2011, et même plus, moi j'ai fait un jardin d'orties, que vous voyez là, c'est que des orties, et la démonstration de comment on fabrique le purin, et on donnait des bouteilles tous les vendredis, jour du marché, aux visiteurs du jardin d'orties, on continue de le faire. Donc ça, c'est l'action de quelque chose qui est une très vieille technique, mais nous ne connaissons pas scientifiquement très bien le côté positif de cette substance. Les laboratoires anglais ont fait des travaux là-dessus très intéressants, nous non. Aujourd'hui, on a d'autres préoccupations sur la connaissance du vivant. Vous avez parlé des sols. Là, on est dans en grande difficulté parce que sans la diversité de la biomasse vivante du sol, on ne sait pas comment faire. Là, vous avez une plante, le maïs, un sol mort, rien dedans, et jusqu'à la fin de la culture. Donc, il faut apporter la nourriture. On pourrait tout à fait faire autrement. Bon, moi, j'ai fait un projet là sur ce champ de maïs que vous avez vu en photo, qui est 16 formules de remise en vie dans le sol à partir de paillage ou de culture ou le mélange des deux. C'est dans le plateau de Saclay, donc sur des terres anciennement très très riches, et ça a failli être réalisé. Ceci pour trouver la meilleure formule et la plus rapide pour la donner à ceux qui exploitent les 2300 hectares un petit peu plus loin pour passer en bio. Malheureusement, la direction de la région a changé. C'est Valérie Pécresse qui est arrivée. Pst, projet terminé. Parce que là, on donnait pour ces cultivateurs en bio la possibilité de faire quelque chose qui était un handicap pour le marché des intrants, etc. Et ce qui vient d'être évoqué là, à propos du génie naturel, la question de la conversation entre les plantes, de toute chose, on ignore énormément de choses là-dessus. Ça, c'est chez moi. C'est une petite herbe qui s'appelle la piloselle. Elle émet des toxines au bout de ses racines et elle chasse les graminées. Elle fait des souris comme ça. Alors, nous, on nous a jamais appris ça à l'école. Hein. On nous a appris à tuer, justement. Donc là, on pourrait essayer de combiner quelque chose et jardiner autrement. Ça, c'est quelque chose que sans doute vous connaissez très bien. C'est le rapport aux plantes et aux animaux, les acacias, notamment l'acacia africain, puis d'autres, émettent une toxine au bout dans leurs feuilles quand l'animal vient brouter. En même temps, elles émettent un gaz éthylène qui prévient l'autre population d'acacias pour qu'ils ne soient pas mangés. Et c'est quelque chose d'extrêmement efficace. Hein. Si les gazelles et les impalas s'approchent trop de celui qui a été envenimé, ils y passent. Donc c'est très complexe parce que là, on voit qu'il y a conversation de plante à plante, de plante à animaux. Et on en sait très peu de tout ça, extrêmement peu. Donc je finis par le modèle de convoitise. Qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce qu'on désire? C'est très important parce que, vous voyez, ça c'est un vieux dessin d'un humoriste français que je trouve assez bien, ce qui illustre l'idée, quoi.
On rêve à quelque chose qu'on nous oblige. On nous oblige à rêver de ça, parce qu'on nous le montre tous les jours. Même dans les revues prétendument écologiques, vous commencez par ouvrir, hein, et vous avez une voiture tout de suite. Tout de suite. Puis une autre, puis une autre, puis une autre, etc. C'est inquiétant. Et chez nous, en France, on a accepté que Total continue, fonctionne à fabriquer du biocarburant, prétendument biocarburant, non, mais franchement, à partir de l'huile de palme qui arrive de l'autre bout de la planète. Et c'est, bon, pour les voitures, tout ça, bien sûr. Bref, le modèle de convoitise, mais aussi de vie, bon, ça c'est un exemple un peu particulier, mais politiquement il me paraît très important, ce sont les zadistes de Notre-Dame-des-Landes, où vous savez qu'un aéroport en France a été évité, et où 120, environ 120 habitants ont essayé de vivre autrement en cultivant, faisant de la bière, élevant des animaux, installant un centre culturel et vivant de ça économiquement sans détruire la moindre espèce, car dans la biodiversité, tous les relevés ont été faits sur la totalité de ces hectares. Je ne sais plus combien il y a d'hectares, il y en a beaucoup, mais il y a un équilibre remarquable. Comment pourrait-on faire, en s'inspirant de leur manière de vivre à eux, même si on n'est pas obligé de les copier, hein, pour faire évoluer le projet politique du futur? On les, semble-t-il, on ne veut pas les laisser faire. Ça, c'est purement politique et c'est très dommage. Mais je trouve que ils nous ont, ça, c'est leurs élevages de houblon pour la bière. Donc, modèle culturel, autre manière de vivre. Là, on est dans la permaculture. C'est quelque chose qui est en train de se développer, malgré tout, et qui n'est évidemment tout sauf polluant. Voilà, enfin, je termine par les écoles du jardin planétaire. Alors, je peux dire que Palerme, ça c'est pas Palerme, mais Palerme, avec Manifesta qui se réclame de ce principe du jardin planétaire, nous avons, nous, un tout petit exemple, je ne l'ai pas ici en photo, mais qui il est sur un autre dossier, qui montre les images d'un jardin créé dans le quartier Zen. Ça, c'est une école, une des quatre écoles actuelles du jardin planétaire à l'île de la Réunion, où il y a des ateliers de terrain, où il y a des reconnaissances de la diversité. Ça ne marche pas, si. Il y a des exercices sur les semences et la plantation, où il y a même des foires et des marchés. Et des fabrications d'objets, voilà, c'est assez modeste, hein, mais c'est très très important. Et là, dernièrement, il y a eu des conférences assez imposantes avec la venue des bourguignons qui travaillent sur les sols, justement. Voilà, ça c'est la dernière image de cette petite présentation qui montre quelque chose qui a été une surprise pour moi. Quand je me trouvais en Australie, j'ai fait cette photo, là, il y avait deux arbres de la même espèce de chaque côté de la route, donc je l'ai pris par en dessous, et j'ai bien vu la lumière qui est là. J'ai envoyé la photo à Francis Allais, qui est un botaniste très connu, qui m'a dit « oui, 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 ça c'est Samanea saman, c'est un arbre timide, car vous voyez, les frondaisons ne s'interpénètrent pas, se superposent pas, se tiennent à distance, et l'angle de vue ne permet pas de voir toute la lumière, mais elle existe bien, et cette espèce de ligne-là s'appelle, c'est les scientifiques qui disent, une fissure de timidité. Voilà, ce sont des poètes. On a beaucoup à apprendre des plantes. Juste encore un tout petit mot pour l'histoire des plantes, par rapport à nous, animaux, les plantes sont autotrophes. Ça veut dire qu'elles fabriquent leur nourriture à partir de l'énergie du soleil et quelques sels minéraux et tout. Tandis que nous, nous sommes hétérotrophes. Nous avons besoin, nous sommes des prédateurs, d'aller chercher la nourriture. Nous ne la fabriquons pas. Ça donne une puissance inouïe au monde végétal pour une évolution dans le futur. Merci.
Molte straordinarie suggestioni abbiamo ricevuto dai tre interventi. Ora credo che farà piacere a tutti, se ci soffermiamo qualche altro istante, io vorrei condividere con voi il privilegio di aver potuto conversare con loro tre. Quindi se qualcuno vuole interloquire, dire qualcosa, porre una domanda, regaliamoci insieme qualche altro minuto, se vi va, per stare insieme prima di salutarli. Chi vuole intervenire? Vedo una mano alzata, vedo, provo a darle un microfono. Vi prego solo di essere molto sintetici nelle vostre considerazioni, in maniera da poter dare almeno la parola a tre persone, mettiamola così, d'accordo? Buonasera. Io mi chiamo Francesco Paola, sono un avvocato e sono il presidente dell'appena istituita Riserva Mondiale della Biosfera del Monte Peglia in Umbria. Voglio ringraziare veramente Sua Eccellenza l'Ambasciatore per questa idea straordinaria, che è quella di mettere in circolo queste filosofie diverse e la necessità di linguaggi nuovi che tutti quanti vogliamo. Due giorni fa, come primo atto di questa nostra esperienza, nata dal basso e forse premiata per questo, noi abbiamo ideato un centro studi insieme ai vertici dell'Arma dei Carabinieri Forestali e al Consiglio Nazionale delle Ricerche, un centro studi proprio sulle, l'abbiamo chiamato centro studi forse in modo eccessivo, strategico, sulle crisi e sulle emergenze climatiche. Vorremmo immaginare proprio dei linguaggi nuovi. Io una domanda voglio porre a Stefano Mancuso quando parlava di rivoluzione copernicana. Vorrei sapere se questa rivoluzione copernicana significa, come noi pensiamo, anche una evoluzione necessaria delle tradizionali delimitazioni, delle tradizionali strutture politiche e amministrative. Perché una riserva mondiale della biosfera parla al mondo e noi lo vogliamo fare, specialmente nei tempi difficili, diciamo, che attraversiamo. E vorrei sapere se queste evoluzioni complessive, ma è una domanda ovviamente che rivolgo a tutti, debbano riguardare proprio delle strategie di sistema, perché i linguaggi e i liquidi e l'aria, come dire, come diceva Talete, si diffonde in tutto il mondo. Grazie. Per quanto mi riguarda, sì, ovviamente io sono, partiamo dal presupposto che io sono molto pessimista che noi saremo in grado di portare avanti questa rivoluzione copernicana nei tempi purtroppo esigui che ci rimangono. Sembra, come dire, sapere che nasce una nuova riserva per la biosfera è una notizia gioiosa, bellissima. Io vengo, la settimana scorsa ero a festeggiare i 25 anni della riserva della biosfera di Lanzarote. E quando accade qualcosa del genere è sempre una notizia straordinaria, che però, come dire, rari nantes ingurgita vasta, o se ne vede una ogni tanto. Quello che vorrei, forse non è molto chiaro a tutti, sono i tempi. E lo dico io che sono per natura un ottimista, e una persona che fino a veramente pochi giorni fa ho sempre detto: ma no, avremo modo di cambiare, avremo modo di trovare delle soluzioni. Tutti i modelli prodotti dagli scienziati per i prossimi, che riguardano i nostri prossimi 60-70 anni, mostrano, qualunque tipo di modello, mostra una cosa tragica, che è veramente il collasso della nostra civiltà. Perché se continuiamo in questa maniera, nei prossimi pochi decenni, qualunque tipo di risorsa, noi normalmente pensiamo al petrolio, all'energia, ma non è mica solo questo, il fosforo, l'alluminio, il ferro, il litio, il cobalto, tutti questi elementi su cui si fondano le nostre tecnologie termineranno nei prossimi 20-30 anni. Cioè questi, per cui non si riesce neanche a immaginare una possibilità diversa. Per cui è chiaro, questa rivoluzione copernicana dovremmo farla oggi, domani, cambiare istantaneamente, pensare, quando,
quando prima Gilles Clément ci faceva vedere il campo di mais, l'agricoltura industriale, no? Ora, perché non si deve dire che l'agricoltura industriale è il male? Il male. Non c'è, non c'è una possibilità di difesa. Innanzitutto non andrebbe chiamata agricoltura, perché l'agricoltura era una cosa molto diversa. È una cosa che prevedeva la coltivazione dei suoli per la produzione di alimenti e mantenendo la fertilità. Proprio è la storia dell'agricoltura è stata questa. E invece oggi il tutto... Per cui, insomma, la sua domanda è una domanda importante. Io mi auguro di sì. Ovviamente bisognerebbe che cambiassero molto velocemente anche la disponibilità degli interlocutori politici. Beh, può darsi di sì. Cioè, è ovvio, per esempio, il fatto che oggi non sia evidente a tutti, ma intendo dire a livello politico, che il problema è il problema ambientale e che tutti gli altri problemi che affliggono l'umanità sono corollari di questo problema, se non, e di cui non si sente parlare, per cui sempre la questione ambientale sembra essere una cosa che riguarda pochi fricchettoni oppure una gauche molto, molto elitaria, ma non è vero. Il problema ambientale, le migrazioni, il cambio climatico, tutte queste cose riguardano il problema dell'ambiente, cioè il problema dell'ambiente è il problema della politica, eppure se ne sente parlare, direi pochissimo. Quindi per questo, da questo ne deriva il mio pessimismo. Grazie, però è anche la grande opportunità che abbiamo l'ambiente. Sì. Siamo disciplinati fra noi, un'altra voce dalla platea, proviamoci. Prego, chi ci aiuta... Con il microfono, grazie. Sempre in maniera molto sintetica, sia le domande che... Sì, naturalmente. Grazie. No, mi è venuto così da pensare, ma non ho assolutamente da proporre nulla. Mi interessava questo fatto della rivoluzione copernicana, che è stata spiegata questa sera. Una quarantina di anni fa, un ecologo italiano, Valerio Giacomini, ha scritto un libro che si chiamava invece La rivoluzione tolemaica, perché pensava che la natura non si poteva salvare, l'ambiente non si poteva salvare se non ci fosse stata una presenza costante dell'uomo, quindi l'uomo al centro per salvare la natura. Ma le cose sono cambiate così tanto in 40 anni? Grazie. Vogliamo passare la domanda, per esempio, a Gilles Boeuf? Les choses ont changé dans la mesure où aujourd'hui on sait. Rappelez-vous ici à Rome, le Club de Rome, le rapport Meadows à l'époque, ces gens qui étaient visionnaires et intelligents avaient dit des choses très fortes, mais qui heurtaient un système politique et économique capitaliste non encadré. Ils avaient raison. Vous vous rappelez ce vieux chef indien qui disait, Sitting Bull, quand l'homme blanc aura tué le dernier bison, mangé le dernier saumon, coupé le dernier arbre et pollué la dernière rivière, ils verront que l'argent, ça ne se mange pas. Fabuleux, on est en 1890, il est à la fin de sa vie, Sitting Bull. Ce qui veut dire que tout ceci, on l'a pris en considération pas suffisamment. Et pour revenir à la question de la révolution copernicienne, pour moi, il faut changer une chose très claire. Il faut que tous ici, on n'accepte plus d'un monde politique ou d'un monde économique actuel, ce monde insoutenable qu'il nous propose. Et pour ça, il faut arrêter cette économie débile qui consiste à faire du profit en détruisant la nature ou en la surexploitant. Moi, j'y crois un peu. Cogliamo una terza voce prima di salutarci. Approfittiamo di questa opportunità. Una terza considerazione dalla platea. Chi vuole approfittarne? Prego, signora. Una trentina d'anni fa ho viaggiato in Cina, quando ancora non c'erano le macchine, anche a Pechino c'erano solo le biciclette,
A quell'epoca studiavo anche già risorse naturali, già si sapeva che si stava andando verso una direzione di esaurimento molto rapido, no? Ma tornando al viaggio in Cina, e amo molto la Cina, devo dire, non sono di quegli europei che hanno un istintivo nemico in questa lontana e grande civiltà, mi rendevo conto che il giorno in cui ogni cinese avrebbe potuto esaudire il suo naturale desiderio di avere una macchina, una lavatrice, una televisione, ci saremmo avvicinati a un grave problema, no? Quindi la cosa che dico, si parla di politica, ma già credo attorno al 1970 Thich Nhat Hanh ha scritto un trattato per la pace in cui descriveva un comportamento molto semplice che tutti noi possiamo adottare per dare un contributo molto personale, piccolo, ma molto consistente, no? Nel fare pace con la terra. Io credo che il problema più che politico sia la capacità di autodisciplinazione di ognuno, in cui ognuno deve parlare con se stesso, con la sua coscienza, con la sua famiglia, per adottare dei piccoli comportamenti di enorme rinuncia di privilegio a favore delle future generazioni. Se non partiamo da noi stessi, ognuno nel suo microcosmo, non possiamo pensare a nessun futuro. E non è grave perché l'universo è molto grande e può benissimo fare a meno di questo piccolo uomo un po' così superficiale, quantomeno. Grazie. Grazie a lei. Affiderei a Gilles Clément un commento di sponda, ma se preferisce anche Gilles Beff, certo. Il y a deux planètes, une très jolie. Elle rit, elle est contente, elle est verte et bleue, elle est magnifique. Et la même à côté, elle va pas bien. Elle est terne, elle est morne, elle est triste. Et elle dit, mais qu'est-ce que tu as? J'ai attrapé une maladie. C'est quoi ta maladie, l'humanité? T'embête pas, ça dure pas très longtemps. Ben, sono un po' d'accordo con la signora, ma je pense qu'on peut quand même essayer d'envisager quelque chose qui c'est quelque chose qui doit être remis sérieusement entre les mains de ceux qui tiennent le pouvoir aujourd'hui, qui ont l'argent, de montrer que c'est eux qui doivent montrer comment on doit vivre. Car si ce n'est pas eux qui le font, on n'ira pas dans cette direction. C'est ce que j'ai appelé tout à l'heure, j'ai évoqué la question du modèle de convoitise. Vous avez dit, les Chinois, moi aussi j'ai connu l'époque où ils étaient tous en vélo, à Pékin. Je suis revenu 3 ans plus tard, les autoroutes construites entre-temps étaient déjà saturées, les voitures, bon, terrible. Vous avez dit, quand est-ce qu'ils, le jour où ils auront leur machine à laver, leur voiture, ce sera foutu, etc. Mais c'est nous qui leur proposons ça. Nous, sociétés humaines avancées, et qui nous rendons compte aujourd'hui qu'avec ça, nous n'allons pas bien loin. Si les questions de croissance et d'amélioration de vie, peut-on dire abandonnons la croissance matérielle et développons la croissance immatérielle. Comment se fait-il que nous n'utilisions qu'un seul partie, un huitième du cerveau à la fois? Pourquoi ne sommes-nous pas capables de télépathie? Les plantes communiquent entre elles, elles ont inventé Internet avant nous. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi sommes-nous esclaves d'un mécanisme purement de l'ordre de la matérialité, même s'il y a des échanges dans le cyberespace?
il y a quelque chose qui est peut-être à développer dans une direction en abandonnant un petit peu l'autre. Mais ça, c'est seulement ceux qui tiennent le pouvoir qui peuvent orienter. Et ça, ça peut servir de modèle. Unifié sur ce modèle-là, c'est-à-dire celui de la non-consommation matérielle, la totalité des habitants de la planète, ça n'est pas facile. Mais on va bien être obligé de passer par quelque chose comme ça. Ou alors, on passera par un autre moyen qui est évoqué à chaque fois qu'on a des réunions, c'est la révolution. Et ça, ça fait beaucoup de dégâts. Donc il vaut mieux une évolution consentie avec une compréhension. Tout doit passer par la compréhension de là où nous habitons pour savoir comment faire les gestes nécessaires au maintien de la survie. La pédagogie a vraiment de l'importance. Mon premier ministère, je vais me mettre debout, celui de la connaissance. Là. Après, il y a tous les autres ministères dans le gouvernement. Les habitats, la santé, les machins, très important. Hein. Tout. Puis là, c'est le mystère de l'économie. Bon, qui est très important parce qu'il permet de faire fonctionner tous les autres. Mais c'est pas lui qui donne ses ordres. Ce serait celui de la connaissance. Faut inverser. Penso che un importante messaggio a chi oggi governa i destini dell'umanità derivi proprio dall'accordo di Parigi. Quindi è davvero con gratitudine che ecco, ci rivolgiamo a Sua Eccellenza l'ambasciatore e a tutti coloro che stanno organizzando Cultivando Notre Jardin, perché è un forte richiamo che guarda verso gli obiettivi di un modello di convivenza a basse emissioni di carbonio. Vorremmo portarvi con noi anche negli altri appuntamenti di Cultivando Notre Jardin. Prendete il programma, magari può essere una buona opportunità per fare un tour in Italia all'insegna dell'ecologia. Grazie e a presto, arrivederci anche qui in Palazzo Farnese.